Et salut à toutes et à tous, c'est Viknin et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 7 de The Legend of Zelda Skyward Sword. Et dans cet épisode, nous nous dirigeons vers Célestebourg pour poser la stèle de pierre que l'on nous a donnée il y a peu de temps. Mais oui, on va faire que ça pour l'instant parce que les trésors qui sont là, on les récupérera plus tard. J'y consacrerai un épisode entier, je pense, quand il y en aura suffisamment, même si c'est plus ou moins des quêtes annexes, des 42 cœurs, tout ça. Ça ne m'intéresse pas énormément, surtout qu'il y a beaucoup de quêtes annexes à faire, que ce soit ici, avec les coffres, ou à Célestebourg, où il y en a pas mal, n'empêche. Et dans les autres îles. Bref. Atterrissage dans quelques secondes. Voilà. Alors, excusez-moi, je mets juste des écouteurs parce que je vais en avoir besoin. Voilà. Comme ça, j'oublie pas de mettre les écouteurs. Donc, on cherche une boutique dans les airs, les gens. Elle doit être juste derrière moi. Voilà. Alors, cette boutique, on va devoir grimper avec l'aide de ça parce que on n'a pas de lance-pierre. Enfin, on n'a pas les munitions de lance-pierre qu'on va acheter dans pas longtemps. Allez, suis-le. Suis le moustique, tu peux le faire. Ah, trop lourd, bon bref. On va se contenter d'aller aux boutiques et on va chercher un peu de munitions, on va dépenser nos rubis. Pour une fois qu'on peut s'en servir dans un jeu correctement et décemment. Ok, déjà on va chercher ça. Alors lui il va me dire qu'on a des nouveaux accessoires qui sont disponibles. Genre la sacoche à graines qui est juste là. Et le nouveau bouclier. Le nouveau bouclier, on va devoir le prendre. Obligatoirement parce que c'est un terrain de feu où on va aller. Et comme vous le savez, le bouclier en bois est pas très efficace contre le... Enfin, est vulnérable au feu. Donc, on va éviter de faire trop de bêtises. Ah, c'est toujours une fois de faire affaire avec toi. Ouais, ouais, ouais. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est bien un sac de graines? Ouais, il va m'en donner 200 rubis, j'en suis sûr. Ah, 100 rubis, ça fait mal aux fesses. Mais je prends quand même. Je prends quand même. Toujours avoir des munitions sur soi. Ah, et j'aurais dû prendre... comment ça s'appelle? Des graines en plus, bref. Le bouclier, combien il coûte? Il n'y a pas intérêt à coûter trop cher. 100 rubis, ça passe. Oh, ma sacoche est pleine. Ok, je vais à la consigne et je vais tout déposer. Hop. Alors, coucou. Ouais, salut, bienvenue à la consigne. Je sais que je peux déposer mes objets et c'est très bien. Ouais. J'ai quelque chose à te filer et c'est mon bouclier. Mon bouclier que je posais ici. Et voilà. En te remerciant. Tu sais, la blasée de la vie, en fait. Enfin, allez. Donne-moi mon bouclier. Oui, il m'intéresse, je le veux, donc... Donc voilà, et en plus je viens de te voir, bref. Donne-moi ce bouclier, merci. Bouclier en fer, le bouclier en fer a l'avantage de ne pas brûler et de mieux résister aux impacts, mais il ne protège pas du courant électrique. Tu m'étonnes. Et un objet de plus, blablabla. Hop, équipé. Bonjour. Pourquoi tu as un point d'interrogation? Enfin, trois petits points sur la tête. Bienvenue à la boutique de potions. Dans cette marmite, je peux améliorer les potions que tu as achetées à ma femme. Enfin, je crois. Mais pour concocter mes mixtures, il me faut... Ah oui, des insectes. Si tu n'as pas encore de fil à papillon, tu peux en acheter à la boutique de Terry. La boutique de Terry plane au-dessus du marché ouvert. Ouais. Ok. Mais pour le moment, la boutique de Terry, j'ai un peu de mal. C'est de la potion verte, ça va pas me servir pour l'instant. Toi! Est-ce que je peux... qu'est-ce qu'on doit avoir pour améliorer nos... Par exemple, le lance-pierre ou le scarabée? Dis-moi. Alors, il me faut 2 perles d'ambre, 3 gélatibules et 2 perles d'ambre qui ne se trouvent pas ici pour l'instant. Non, pas ça. Les graines. Useless. Il n'y a pas le super scarabée, normalement? Moi, que je me fasse des idées. Enfin bref, on verra ça plus tard.
on n'a rien d'autre à prendre. Toi, t'as des points d'interrogation, mais c'est juste pour tes ventes, on s'en fiche un peu. Ok, on peut avancer. Et on va aller chez Terry. Hop. Il est où, Terry? Terry est là. Ah, plus haut. Plus haut. Voilà. Elle est où, la corde? La corde est ici. Accroche-toi, mon pote. Voilà. Allez, on y arrive. C'est un peu lent chez Terry, n'empêche. Voilà, c'est bon. Alors, le fil à papillon et un plus gros sac à rubis. C'est lequel est le plus intéressant, le sac de rubis? Mais je ne pense pas avoir assez d'argent. Il me semble que c'est 300 rubis. Un peu le max pour moi, je crois. Alors, laisse-moi voir un peu ce que t'as en stock. Bourse annexe, oui, c'est super utile. 300 rubis. 300 rubis. 100 rubis. Ah, oh, chier. Ouais, je vais regarder le reste de ta marchandise parce que le filet à papier m'intéresse. Et la sacoche aussi, que j'avais pas vu. Alors, combien tu m'en mens? 50 rubis, j'achète. De toute manière, ça servira plus tard. Hop. Voilà. Nouvel objet, il y en a 8. Et combien coûte la sacoche? Je crois que c'est dans les 200 rubis, donc attention. Vas-y, dis-moi le prix. 300! Waouh! Ouais, bon bref, j'ai regardé le reste de ta marchandise. Merci Terry! Au moins, tu ne m'enverras pas valser, puisque je t'ai acheté un truc. Et que j'ai pas fait du lèche-vitrine. Bref. Maintenant, il faut aller à l'institut de la déesse, oui. Car il faut déposer le comment ça s'appelle? La stèle, voilà, je cherchais le mot. Il y a une lucane. On va en profiter pour aller chasser notre première lucane. Hop! Hop, voilà. Vous avez attrapé la lucane de Bourg. Très bien. En plus, d'après mes souvenirs, l'endroit où on va est bourré d'insectes. Quand je parle d'endroit, c'est le... Comment ça s'appelle? Le volcan d'Ordine, il sera bourré d'insectes. Même si c'est spécialement que des coccinelles, mais ça c'est quand même utile. Ça vous rapportera beaucoup d'argent, les insectes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Par contre, c'est bien d'avoir des insectes rares aussi, parce qu'il y en a, un peu comme les objets rares. Par contre, je sais pas si c'est toujours random ou si on en trouve à des endroits spécifiques. Ou en faisant certaines quêtes. Nous y sommes dans la statue de la déesse. Allez. On pose la stèle au-dessus. Même si j'ai... Normalement, elle devrait pas se casser la gueule. Je pense, hein. C'est pas logique. Enfin bref, on va pas chercher de logique dans les jeux vidéo. De toute manière, vous êtes d'accord avec moi. Sauf pour le scénario, ça c'est autre chose. Alors, que la lumière divine jaillisse de la terre et descende du ciel. C'est pas logique non plus ce que je viens de dire, mais bon. Bref, Maître Ling, je confirme qu'une deuxième colonne de la lumière est à peu près au nord-est. Comment tu peux le voir, t'étais pas dehors. Bref, sûrement tes capteurs. Bourré de technologie à l'intérieur. C'est pas possible, toi. L'esprit de l'épée. Enfin. Direction. Le volcan. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Y'a rien d'autre pour l'instant? Bon, alors c'est bon. Pour info les gens, les quêtes annexes, comme je crois l'avoir dit, mais je suis pas sûr. Les quêtes annexes, on les fera après les trois donjons. Comme ça, on se casse pas la tête. Ou quoique, peut-être après le deuxième donjon, parce qu'il risque d'être compliqué, le dernier donjon à faire après celui-là. Oh, c'est cool. Ça va beaucoup plus vite. On lâche. Chute libre, Link. Adios, camarade. On se retrouve la prochaine fois. Oh putain, il y a de la lave en dessous. Je vais tomber dans la lave!
Alors, voyons voir. Parachal. Mais normalement... Non, je vais pas faire de trucs scientifiques là, c'est déjà trop. Enfin, maître Fay, au rapport, nous nous trouvons au volcan d'Ordine, un volcan en activité renfermant... je sais pas, de la lave. Cette région est composée à 65% de lave et abrite de nombreux monstres de feu. Non, absolument pas. Faites attention à vos objets en bois et à vos vêtements, ils sont facilement inflammables. Bien sûr. Si vous prenez feu, je vous conseille d'éteindre les flammes en effectuant une roulade ou une attaque circulaire. Merci, c'est déjà un bon conseil. Quelque chose d'utile. J'ai pas envie de te mettre des baffes parce que c'est utile. Pour n'importe qui, hein, mais bon. Ok. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que tu nous caches, volcan d'Ordine? Des monstres de feu qui se régénèrent. Ok. Bon, de toute manière, ça devait être la même chose. Ah. J'ai grillé un truc. Je t'ai vu. Éclat céleste! C'est très bien comme ça. Allez, let's go. On avance. On se fiche un peu du temps aujourd'hui. Là, les gens, on y va tranquillement. Je crois que ça fait même pas 10 minutes qu'on est là. C'est tranquille. Ça a commencé à 30, 33 même. Enfin bref. Bon, ça suffit maintenant. On vous laissera plus saccager notre territoire. Absolument pas! Ah, on s'est encore trompé. Hé, Furug, lui non plus, c'est pas un rougeau. Ouais, on dirait bien que non. Va falloir arrêter de nous faire des frayeurs comme ça, hein. Enfin, excuse l'ami, c'est juste que ces derniers temps, il y a des monstres bizarres qui font du remue-ménage sur notre territoire. Alors, je les attends de pied ferme pour leur montrer de quel bois Furug se chauffe. Je savais pas qu'il dit ça. Plus planqué que lui, tu meurs. Enfin, si toi aussi t'es venu chercher des trésors dans le coin, fais gaffe aux rougeaux. Merci les mecs. Par là. Wouah ! Ok. Déjà, ça c'est des monstres de la lave. Donc, ils sont méchants. Waouh, y'a la lave qui monte, j'ai eu peur. Je suppose qu'on doit aller par là. On va regarder la carte. Oh, la carte est très grande, donc... Ouais. Merci. On y go. Salut. Ah, t'es qui, toi? Je t'avais jamais vu dans le coin avant. Ah, me dis pas que t'es un pote avec les rougeaux. Et non, désolé. Je suis pas pote avec les rougeaux, j'ai juste besoin d'avancer. Tu peux m'expliquer un peu comment avancer? Ouais, exactement, je suis exactement venu chercher des fleurs. Bon, ok, c'est des choupetteurs. C'est des choupetteurs, c'est très bien. Bien sûr, je sais comment les faire rouler, merci. Il faut jeter à tes conduits, et il me l'explique quand même, hein, c'est ça le pire. En fait, le texte est peut-être plus ou moins long. Ah, j'ai appuyé sur le bouton en même temps, c'était pas ce que je voulais, mais ouais. Why not? Et en plus, je vois une coccinelle. Pas notre un plat. Allez hop, à moi la coccinelle. Ah, voilà, merci. Non, une pyrocinelle. C'est pas une coccinelle, mais une pyrocinelle. Bon, bah, c'est déjà très bien de l'avoir. On va en récolter un max, donc ça, on se fera un max de pognon. C'est la base. C'est là. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ok, il y a un rubis bleu, mais. On va le prendre, allez. Merde, il est où le trou? Vas-y! Voilà, ça fait un rubis gratuit. Et ça fait du bien. Avec le petit effet qui va bien avec. Et voilà, on a tout déblayé. Wouah! Ah, libérons-nous! J'avoue que je fais n'importe quoi, les gens. C'est juste qu'il m'a rien lâché, le salaud, quand même. Enfin, pas grave.
Rien ici, rien là, c'est ok, on peut y aller. Alors, au-dessus il y a des chauves-souris. Ah, voilà, j'ai mes vêtements en feu. Et on fait une roulade, allez. On avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Ah, ça va être long, je le sens. C'est pas que j'aime pas ce qu'est long les gens, mais... j'ai particulièrement un mauvais souvenir de cet endroit parce qu'il est très long. Et là, il y a un truc très intéressant. On peut le ramasser comme ça? J'espère bien. Non! J'y ai cru, hein. Bon, ok, pour monter, en fait, il faudra faire baisser le niveau de la lave. Ok, là, le bruit des singes dans Twilight Princess, serait-ce la sous-évolution des singes? Aucune idée, les gens. Sans déconner. Ah, god. Faut viser plus loin, ok. Ça marchera pas. Il faut que j'ai un meilleur angle de caméra, s'il vous plaît. Ah bah merci, je l'ai eu. Voilà. C'est bon tout ça. Oh god. Go 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 go. Voilà, comme ça t'en as fait pas d'autres. Même si je pense que cela était déjà dans les parages. Enfin, déjà c'est une bonne chose, il en a pas appelé plus que ça. Ok. Explosion. Voilà. On va les faire péter un peu. Voilà. C'est le panier, les gens. Oh, ils ont une tête. Non pas que c'est adorable, mais c'est marrant à voir. Ok. Donc là-bas. Il faut envoyer ça. Vas-y, je suis bon au bowling, ça fait strike. Ça fait strike. Je suis un bon. Je suis pas mauvais. Voilà, on a baissé le niveau de la lave apparemment, donc c'est bon. On prend ça, et qu'est-ce qu'il y avait là-haut? Il me semble qu'il y avait un quart de cœur qui traînait dans le coin. Donc on va checker les gens, hein. On va checker, voir si on peut le prendre, parce que le jeu, comme je l'ai dit, je ne le connais. Non. Arrête, reviens, c'est des insectes. C'est des insectes. Choper, voilà. Alors qu'est-ce que c'est? Le bousier d'ordine. Ce minuscule insecte pousse une boule de... quelque chose jusqu'à son nid. N'est-il pas adorable? Ok, c'est... Il pousse du caca. Voilà. On va être gentil. Ah, oh, il se barre. Bon, on va le prendre quand même. Oh, le sale. Il est parti se suicider. Le suicide, c'est mal. Ah, lâche-moi la trappe. Voilà. Ah, le double saut est quand même bien pratique. Ok, il y avait un rubis à l'intérieur, mais je l'ai pris d'une autre manière. Très bien. Tout va bien. Ça fait strike. Maintenant, où est-ce qu'on peut aller? Ok, bah alors là, le quart de cœur est là. C'est bon! Tout est bon, les gens! Alors, est-ce que c'est un quart de cœur? Oui, c'est un quart de cœur, c'est pas un cinquième de cœur. Pas comme dans Twilight Princess. Enfin. Voilà. Alors. Oula, hé, mec, faut sauter. T'es prêt? On saute! Ouais! Ah, ok. Ah, j'aurais cru qu'en fait, c'était... hostile. Voilà. Alors, fais-moi voir ce que t'as là-dedans. Un bon trésor, j'espère. Du minerai d'ordine. C'est très bien. C'est très rare, c'est très bien. Enfin, j'en trouve pas souvent. On peut en trouver par...
creusant des trous, mais creuser des trous, c'est pas encore notre... notre spécialité. Putain, j'ai raté le... Enfin, une boîte céleste. Par là, qu'est-ce qu'il y a? Ok. Ah, c'est ça, le type a envahi notre territoire, et maintenant ils font comme si... comme s'ils étaient chez eux. Ok, tu veux de l'aide? Oh, tais-toi! Me fais pas des frayeurs comme ça! Quoi, tu cherches ton ami? Non, j'ai vu personne. Si elle est passée par... Si elle est pas passée par ici, elle a dû passer par là-haut. Ouais, tu y crois vraiment? Si seulement quelqu'un pouvait chasser ces sales types. Waouh, j'ai du mal à parler. Ok, 2 minutes. On va s'en occuper. Hop. On va les assommer un peu. Comme ça, ils vont pas appeler leurs potes. Oh, j'ai raté. Bon, bah bref. Ok, je suis obligé d'aller là-haut. Allez. Voilà. Tu vois maintenant, hop, hop, hop. Et c'est bon. Un crâne. Oh, il en reste encore un. Goddammit. Il est où? Ok, il est là-haut. Je l'avais pas vu. Heureusement que j'ai l'oreille fine. Que j'ai le wifi, pardon. Adios. Bref. Tu me lâches des rubis. C'est très bien. C'est très bien. Pas croyable. T'as réussi à tous les éliminer. Ouais. Parce que je suis badass. Y a un coffre. J'ai vu un coffre. On peut pas encore y accéder. Dommage. On va retourner le voir. Coucou mon pote. T'es sacrément costaud. Tu m'as ôté une belle épine du pied. Merci. On a peut-être pas l'air, mais nous les Mogmas, on a des principes. Je dois te remercier comme il se doit. Qui te ferait plaisir? Plaisir. Je veux aller plus loin. Ah ouais, c'est vrai que tu m'as dit que tu cherchais ta copine. Dans ce cas, je te donne ça. Tu m'en diras des nouvelles. Les griffes. Les grands creustous et les grandes Wolverines, si vous préférez. Enfin, c'est les griffes de Wolverine. Avec ça, tu devrais pouvoir monter. Creuse donc ce trou pour voir. J'espère que ta copine s'est pas fait attraper par ces sales rougeaux. Moi non plus, j'espère pas. Mais merci, mon pote. Le temps qu'on trouve une autre sauvegarde, les gens... On va récupérer un peu tout ce qu'on peut. Apparemment, on vient de récupérer un minerai. Minerai d'ordine, c'est très bien, très 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 bien même. Par ici, qu'est-ce qu'il y a? Ok, ici. Ici, il y a un... Waouh. Waouh, tu m'as fait peur. Ça va pas te creuser comme ça au-dessus des têtes des gens? Enfin, je te comprends, à l'excitation de découvrir ce qui sort. Blablabla. Oui, je le sais qu'on peut trouver toutes sortes de choses. Merci, mon pote. Tu ne me préviens d'absolument rien. On va voir ce qu'il y avait de l'autre côté, quand même. Parce qu'on sait jamais, c'est peut-être... Il y a une ampe. Ça se respecte. Une perle d'ampe, ça se respecte. On prend. Ça se jette pas. Hop. Ça, c'est fait. Alors ici, courant d'air. Mais on peut grimper, allez. 1, 2, 3, 4. Où est-ce qu'on est? Dans une tanière de monstres. Ok. Enfin, une demi-tanière de monstres. Il n'y a pas vraiment grand-chose. Il y a un truc pour s'asseoir. Et il n'y a pas de coffre. Peut-être des minerais dans le coin, mais... Pas grand-chose. Bref. Let's go. Aujourd'hui, je vous donne du bonus, quand même. On va faire du feu. Est-ce qu'on a un truc pour faire du feu? Je crois pas. Enfin. Allez, on va creuser, on va prendre un peu tout ce qu'on peut prendre. Ça fait déjà à peu près 16 rubis, je crois. Voilà. Et il manque pas un trou, il me semble. Ouais, vraiment rien ici, sans déconner. Vraiment que dalle. Ah si, en fait, il y a 3 portes. 3 portes. Laquelle choisir? Qu'est-ce qu'on nous a éduqué dans les jeux vidéo? Toujours aller à droite! À droite, c'est le chemin de la liberté!
Toujours aller à gauche. Toujours aller à gauche. Je le savais. C'était un mensonge. C'était un mensonge de Nintendo. Il faut toujours aller à gauche. Parce qu'on lit tous de gauche à droite. Allez. Voilà. Donc, à gauche. Sauf si ça se croise. Mais là, ça me ferait chier. Sans déconner, me dis pas que ça se croise. Ça se croise. Oh bon, ok, faut aller au milieu. C'est la vie, les gens. Punaise. Décidément. Vous avez du contenu en plus. Voilà. Oula, Link, Link, regarde devant. Regarde devant, fais pas le con. Merci. Même si t'as regardé derrière, merci. Pin, 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 pin. Minerai d'ordine, très bien. Beaucoup de minerais, c'est ce qu'il me faut. Le principe, les gens, là, c'est d'en ramasser un maximum. Hein. Quand vous pouvez en ramasser, n'hésitez pas, faut le ramasser. C'est le conseil que je peux vous donner principalement. Toujours ramasser ce que vous avez devant vous. Parce que ça va vous servir. Hop, allez, on fait le tour. Un cœur, deux cœurs, trois cœurs. Ils ont du cœur. Il n'y avait rien. Encore. C'est très bien. Ça va, c'est respectable. On ramasse. On ramasse des choses acceptables, on va dire. Vas-y, lance. Oh, je l'ai eu, mais de peu, je pense. Est-ce qu'il y a des trucs là-dedans? Absolument rien. Donc. Il n'y a absolument rien par là. Absolument rien. Ah, en fait, si, il faut encore des bambes. Au pire, les gens, si vous voyez que j'oublie des trucs, vous pouvez me le dire. Hein. C'est... Ça m'arrangerait quand même pas mal. Ok, non, en fait, la bombe, elle s'en va par là-bas. On va y arriver. On va y arriver, les gens. Ça passe. Ça passe pas. Ok. On peut passer par là, en fait. Ah, ça passe pas. J'ai tenté un truc, les gens, c'est pas passé. C'est dommage. What? Il s'est passé un truc assez bizarre. Ou alors j'étais enflammé. Oula. Et en plus, je suis pas très vulnérable aux bombes là, j'ai l'impression. J'étais juste à côté, tout va bien. Enfin bref. On coupe les herbes. On regarde un peu tout ce qu'il y a. Là, les gens, je vous dis, c'est vraiment la phase exploration. Donc, c'est normal que vous ayez des minutes supplémentaires. On est déjà à plus de 30 minutes, je crois. C'est... Je crois que je fais un épisode monumental sur ce jeu-là. Hop. Hop. Voilà. Et on monte en l'air. C'est très bien. Donc. Ah, je me demande même si je peux pas consacrer cet épisode entièrement à la... l'exploration. Quoique. Ah, en voilà un verre maintenant. À l'instant, j'ai vu une fille en noir qui avait l'air d'être de la même espèce que toi. C'était une amie à toi, non? Non, en noir, c'est pas mon ami. Normalement, on peut passer par là... Par ici, on peut pas passer ici, mais elle a traversé d'un bond sans aucun problème. Arriver à sauter aussi loin, c'est pas à la portée du premier venu. On y va, on va sauter. Ah, merci. Qui a activé l'interrupteur? Je voudrais savoir, s'il vous plaît. Hey! Jeune élu de la déesse.
Dame Zelda se trouve par ici. Dépêche-toi. Soit il y a un problème, soit c'est la merde. Enfin. Ouais, il doit y avoir un problème. Non, en fait, y a rien, j'ai rien dit. Bref, les gens. Ça aurait été un long épisode. À peu près 30-35 minutes environ. J'espère que vous l'aurez quand même apprécié, même si c'était plus une phase exploration qu'autre chose. On regarde un peu ce qu'il y avait aux alentours. Comme ça, vous savez à peu près tout ce qu'on peut trouver à Ordin actuellement, comme les pyrocinelles, les petits scarabées qui poussent des machins, je sais pas trop quoi. Et aussi où on peut trouver un quart de cœur. Enfin, voilà. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié cet épisode. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et surtout de vous faire plaisir. Sur ce, on se dit à la prochaine, bonne continuation. Allez, bye les gens. Oh yeah! Yeah! Yeah!